La violente altercation entre Marlène Schiappa et Andrea Bescon avait fait couler beaucoup d'encre. Après la réalisatrice, qui s'était exprimée sur le plateau de C'est à vous sur France 5, c'est au tour de Marlène Schiappa de prendre la parole sur ce clash remarqué. Le 9 mars 2023 dernier, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative de France depuis 2022, Marlène Schiappa, est la danseuse, metteuse en scène et militante féministe très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Andrea Bescon s'était violemment affrontée dans l'émission C'est ce soir, diffusée sur France 5. La raison de ce coup d'éclat ? L'offensive lancée par Andrea Bescon à la ministre du gouvernement Macron, qu'elle accusait notamment de laisser dehors les auteurs de violences. Ces accusations avaient beaucoup vexé Marlène Schiappa, qui avait quitté le plateau de façon fracassante, clamant qu'elle ne pouvait pas entendre ça. La version d'André Bescon, cette altercation avait énormément été relayée sur les réseaux sociaux. Trouvant son traitement médiatique inexact, voire mensonger, la réalisatrice s'était dite choquée. Dans un numéro de C'est à vous où elle avait été reçue par la suite, elle avait tenu à mettre les choses au clair. Elle avait notamment souligné qu'elle n'avait jamais manqué de respect à la ministre. J'ai toujours vous voyé cette personne, je l'appelais Madame la ministre et elle m'appelait Andrea. Quand elle s'est levée et qu'elle a pété les plombs, j'ai dit, elle va pleurer. Sur le partage des réseaux sociaux, les internautes auraient selon elle déformé ses propos, en affirmant à tort qu'elle avait dit va pleurer. Je n'ai jamais insulté cette personne, j'ai toujours été respectueuse, avait assuré Andrea Bescon à Anne-Elisabeth Lemoine. Marlène Schiappa invoque son droit à quitter une conversation quand on fait appel à ses souvenirs traumatiques. L'ancienne ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes a à son tour donné sa version des faits dans Closer. Vous regrettez votre vive altercation avec Andrea Bescon, sur le plateau de C'est ce soir, sur France 5, a demandé le magazine. Je n'ai pas fait Sciences Po, je ne suis pas policier. Je parle avec mes tripes. Ce qui m'a vraiment vexé, c'est de m'entendre reprocher que je ne connaissais pas personnellement les violences sexuelles, alors que je les connais intimement et familialement de façon directe et dramatique. Quand on fait appel à des souvenirs traumatiques chez moi dans le cadre d'un débat politique, je préfère me lever pour mettre fin à l'échange, a assuré celle qui était victime de rumeurs après avoir posé en couverture de Playboy. Article écrit en collaboration avec Cimedia à lire aussi. Quand on est une personne publique, Marlène Schiappa justifie son choix de s'afficher avec son nouveau compagnon.